L'expert comptable Kaïm Magasuba, qui a produit en 2018 le rapport d'audit sur la gestion de l'ancien directeur de l'OGP, Paul Moussa Diawara, et son équipe, a été entendu à titre de témoin par la Chambre des appels de la CRIEF. À l'époque, Kaïm Magasuba avait reçu une lettre de mission du directeur de cabinet de la présidence de la République pour faire ses enquêtes. À la fin de son audit, Kaïm Magasuba a constaté qu'une somme de 37 milliards de francs guinéens avait été dépensée sans justification par Paul Moussa Diawara et son équipe. Le montant total qui est mis en cause, c'est quoi selon votre rapport? Selon mon rapport, globalement, c'est 37 milliards parce que 24 milliards non justifiés et 13 milliards non versés dans le compte bancaire de la société. 37 milliards. 24 milliards de dépenses non justifiées et 13 milliards recouvrés par l'huissier mais qui ne sont jamais rentrés dans le compte bancaire de la société. Est-ce que vous avez établi ce rapport-là sur la base des documents que la direction générale et l'agent comptable de l'OGP vous ont fournis? Effectivement. Paul Moussa Diawara a balayé du revers de la main les explications de Kaïm Magasuba. Selon lui, ce dernier n'a pas fait un travail professionnel. L'ancien directeur général de l'Office guinéen de publicité estime que Kaïm Magasuba s'est rabattu sur le rapport préétabli par l'inspection générale d'État. C'est pas lui qui a fait ce travail. Regardez le rapport de l'inspection générale d'État. Tous ces rubriques dont il parle sont dedans. Il n'a fait que reprendre le document, le rapport de l'inspection générale d'État, et c'est de ça qu'il s'est servi. Il n'a pas fait un travail profond, professionnel, non, il n'a pas fourni d'efforts. Ces rubriques-là sont mentionnées même dans le rapport de l'inspection générale d'État. Donc, est-ce que c'est vous qui avez fourni, je ne parle pas de l'inspection d'État, c'est vous qui avez fourni le planning de vos missions de formation à l'étranger, à l'intérieur du pays? Est-ce que c'est vous qui l'avez fourni ça? Je vous dis que tout ça figure dans le rapport de l'inspection générale. Est-ce que c'est vous qui l'avez fourni ça? Non, il n'y a pas fourni ça. Il avait... Vous l'avez jamais fourni ça? Ça, c'était déjà dans un premier rapport, monsieur le président. Donc, je vous dis encore une fois, il avait ce rapport-là. Et c'est de ça qu'il s'est inspiré pour faire le travail. Donc, et en plus, si vous permettez, monsieur le président, il a dit quelque chose à l'entente qui n'est pas réel. Moi, il ne m'a jamais présenté la lettre de mission, jamais. Jamais la lettre de mission ne m'a pas été présentée. Il a débarqué comme ça et j'ai demandé la lettre de mission. Il dit, il y a eu même un cérémonial. Ça, c'est du. Organisé à l'entame de sa mission. Qui vous montre les preuves. C'est pas vrai aussi. C'est faux. Il vous montre les photos ou bien la récente ou la vidéo qui vous l'a donné. On ne dit pas que c'est faux, on dit que c'est pas vrai. Excusez-moi, monsieur le président, bon, je ne suis pas un juriste. Mais ce n'est pas vrai, c'est inexact. C'est pourquoi je l'ai dit ici, que sa désignation relève purement et simplement de la politique, parce que la présidente a donné une instruction politique. Merci. Suite à l'absence des avocats de l'agence judiciaire de l'État, l'affaire a été renvoyée au 4 avril 2023 pour la phase des plaidoiries et réquisitions.